Sénégalais, quelque part aussi, c'est vrai, se sent différent. Il se sent différent, il a le sentiment qu'il est un peu en avance par rapport à d'autres pays, sur le plan démocratique. Et donc, il préfère gérer sa démocratie, essayer de l'améliorer, plutôt que de croire en un panafricanisme avec lequel il est d'accord sur le principe, mais dont il ne croit pas en l'avènement rapide. Je crois que c'est ça la différence. En Afrique au sud du Sahara, je dis bien en Afrique au sud du Sahara, je vois peu de forces qui soient hostiles au panafricanisme. L'université de Dakar a été un haut lieu du panafricanisme. Il y a eu l'Union des étudiants de Dakar, où il y avait vraiment des étudiants de toutes les nationalités. Et souvent, les Sénégalais étaient majoritaires, mais souvent c'était des responsables d'originaires d'autres pays africains qui étaient à la tête du syndicat des étudiants. Les Sénégalais sont assez pragmatiques et se disent que ce n'est pas facilement que l'on va arriver à réunir tout ce beau monde-là. Donc en attendant, gérons notre pays pour le rendre plus démocratique et meilleur, et nous pourrons davantage contribuer dans une seconde phase à l'avènement d'une Afrique unie. C'est comme ça que j'interprète un peu ce qui se passe ici. Je me dis qu'il y a beaucoup de gens disent que vous êtes panafricaniste, vous vous dites panafricaniste. Comment vous pouvez soutenir Macky Sall en même temps être panafricaniste avec le français CFA, les APE? Vous savez, le panafricanisme, ce n'est pas vivre ailleurs que là où on est. C'est aussi, pour moi, d'abord être lucide. Le franc CFA, c'est une monnaie dont nous avons hérité, qui est là. Je ne peux pas dire que je la soutiens. Et on ne peut pas faire autre chose si tout seul. Et ça n'a aucun intérêt de partir seul. On est dans un ensemble. Peut-être que si j'étais président à l'époque, j'aurais décidé d'aller quitter la zone CFA. Mais je ne le suis pas et je comprends parfaitement qu'un président décide de rester dans la zone CFA. C'est quand même plus sécurisant en attendant que l'avènement d'une monnaie africaine ou d'une monnaie ouest-africaine. Peu de gens sont hostiles théoriquement à l'avènement d'une monnaie ouest-africaine. Je pense que j'ai mon opinion, qui est qu'une monnaie africaine assumée par les Africains vaut mieux que le franc CFA ou autre chose. Est-ce que c'est assumé par les Africains? Il y a la plupart des Africains, surtout les ricos par exemple, ils n'y comprennent rien. Est-ce qu'un président peut prendre la décision de faire quelque chose alors que c'est les gens pour qui il gouverne n'y comprennent rien? On ne va pas faire de l'ultra-démocratisme. Si on avait attendu que les Sénégalais croient en l'indépendance pour devenir indépendants, on serait encore une colonie. Diriger, ce n'est pas être dirigé, c'est prendre ses responsabilités. On dirige, on a l'obligation d'avoir des choix, l'obligation d'avoir un programme et l'obligation de mettre ce programme en œuvre. C'est comme ça ma conception de la gouvernance. Je pense qu'on ne va pas attendre que tous les Sénégalais ou la majorité des Sénégalais comprennent l'intérêt de l'indépendance économique et monétaire pour y aller. Si les dirigeants le comprennent et savent le prix qu'il faut payer pour cela, ben, ils doivent pouvoir aller et les autres suivront. Les questions qui fâchent... Bon, il faut. Il faut me fâcher un peu. Jusqu'ici, ce n'est pas le cas. J'ai entendu dire que vous avez été corrompu par Ouad, que vous avez détruit le Hachi, et que ça a éclaté vraiment toute la famille panafricaniste. Non, c'est faux, bien sûr. Mais bon... Vous savez, les gens, à un moment donné, je me suis battu pour que Ouad puisse être élu président. À l'époque de Senghor et de Diouf, j'avais une certaine popularité, mais j'ai vu que nous n'étions pas en mesure de conquérir le pouvoir. Ouad était le mieux placé. J'ai dit aux gens, il faut que ce pays change. Il faut soutenir Ouad quand même, pour qu'au moins... on respire un autre air que l'air socialiste. Voilà, soutenu, il a été élu président. Mais tout le monde sait que j'ai été dans son gouvernement, mais que je n'ai pas dû, parce que rapidement, on ne s'est pas entendu sur des choses. Je lui ai dit, écoute, comment que c'est ça? Je lui ai écrit une lettre en disant, écoute, moi, je m'en vais, parce que je ne suis pas
au gouvernement pour être au gouvernement. Je suis là parce que je crois en des choses. Depuis lors, je suis resté un homme libre et j'ai soutenu ce en quoi je croyais et j'ai critiqué ce en quoi je ne croyais pas. Maintenant, ceux qui parlent de corruption, j'aimerais bien qu'ils me donnent des éléments de cette corruption. Des gens ont parlé d'argent, mais ça, c'est ridicule. Parce qu'on parle de 10 millions, 20 millions. C'est de la pure affabulation. Mais je ne vais pas perdre mon temps dans ces affaires-là. Comment on peut me donner 30 millions? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait avec 30 millions par mois? Ça n'a aucun sens. Je suis incorruptible. Ça, je peux vous le dire et l'affirmer. Parce que dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'occasions d'avoir de l'argent. Ma femme aussi. Parce que nous avons travaillé pour les Nations Unies très tôt. Nous étions jeunes, les Nations Unies nous ont appelés, j'ai démissionné des Nations Unies à qui pour leur dire je rentre au Sénégal. Moi, je ne marche pas pour des positions ou pour de l'argent.